Oh, c'est chaud! C'est chaud! Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui, les amis de Ressources sur Call of Duty MW3, et nous sommes là, et regardez-moi, le petit jeu d'armes qui va t'arriver! Wouhou! On est chaud, on est chaud, on est là, on est chaud comme le café d'ailleurs, comme le café, il est bien chaud. Mais bon, les premières gouttes de café du matin, celles qui rentrent gentiment dans ton corps, qui pénètre tes vaisseaux sanguins. Il te met bien, il fait plaisir, il fait du bien, on l'attend avec impatience. Et j'espère que vous allez bien en tout cas. J'espère que vous avez la forme et j'espère que vous passerez un excellent moment. On va accompagner tel est le but bien évidemment. Et aujourd'hui, d'une grande idée de génie, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, tenter quelque chose que personne n'a jamais tenté sur Call of Duty MW3. I'm the first one in the world. C'est mon côté américain. On va tenter une game au WA2000. Je sais ce que vous allez dire, mais Skyros, tu es complètement fou. Peut-être. Peut-être, mais je me suis dit pourquoi pas, parce que le WA2000 était présent à l'époque sur MW2. Et les variantes que j'ai... Ouais, on va prendre celle de base. Il était présent à l'époque sur MW2, donc du coup, rejouer au WA2000... Ah, c'est un peu comme rejouer à MW2, tu vois. Donc je me dis, allez, on va voir. Alors, je suis quand même curieux déjà, la vitesse à laquelle il vise. 535 millisecondes. Ça va, c'est pas non plus super mégalant. Et je me souviens que le WA2000, enfin là, le Karak.300, sur MW2, enfin celui d'avant, on s'y perd un peu maintenant, bah il était pas si mal. Alors, à l'époque, oui, c'était de la daube. C'était de la bouse. Hop là, comme ça. C'était quoi? C'était... Voilà. Mais celui qui est sorti l'année dernière, enfin celui-là, ça allait, tu vois. Donc je me suis dit, on va essayer de faire une classe plutôt sympa. Et ça se trouve, il y a moyen de moyenner, tu vois. Et... je pense qu'on peut moyenner. Voilà. Salut jeune homme, c'est quoi l'une de tes séries préférées? Ah, série préférée. Numéro 1, mon petit coup de cœur, mon petit spécial, True Detective, saison 1. Pour moi, je trouve elle est incroyable. L'ambiance, le jeu d'acteur, les acteurs, enfin... C'est un de mes coups de cœur. Numéro 2, Breaking Bad. Série parfaite du début jusqu'à la fin. Et numéro 3, La Collectionneuse. Merde. Mindhunter, Broad True Detective. Ouais. Avec un avis comme ça, je vais même pas me battre à essayer de te prouver le contraire. Franchement, on va te laisser tranquille. On va te laisser tranquille, frérot, t'inquiète pas. Personne ne va te toucher, même pas avec un bâton. Bon, alors attends, on va essayer de se rentrer un petit peu dans la game. C'est vrai que c'est long à viser quand même. Ma foi. Avec quoi il joue lui? Signal 50. Eh? Why not? J'aime bien. Et j'ai pris un pompe aussi. Because I like pomper. Alors j'ai pas fait un kill, je crois encore. C'est triste. Attends, mais. J'ai fait un kill! Et je suis mort! Drone allié actif. Non mais, c'est horrible! Je respawn, le gars arrive dans mon dos! Ah, et à un moment donné, c'est normal que je fasse pas de kill. C'est pas ma faute, c'est la faute du jeu. Bon. La première game, c'est pas... Voilà, le café est fort, mais le réveil aussi. Bon, ils vont prendre le prochain point, tu penses, ils vont même pas. Ouais. Oh la vache, je suis pas réveillé. Ah ouais, mais attends, mais les gars, franchement, je réitère mon idée, hein. Il faudrait une playlist, première game de la journée. Tu peux faire juste une fois par jour. Mais genre quand t'es pas réveillé, que tu tombes que sur des gars qui sont pas réveillés non plus, tu vois. Attends, on va changer le viseur. Je pense que c'est la faute du viseur. Ça doit être la faute du viseur. Non mais l'hydrée est incroyable en vrai, parce que tu sais quand tu viens de te réveiller, ta première game de la journée, il y a des fois t'es chaud hein, franchement il y a des fois ça va. Mais alors il y a des fois frérot, bah comme là quoi, c'est honteux quoi, c'est une catastrophe,
C'est voilà quoi. Eh mais nique ta grand-mère toi, sans blague. Puis je vois 2000, c'est de la merde, c'est quoi cette idée de con là? L'idée est là, mais le shoot. Ouais, enfin, le Wall 2000, c'est de la merde. Voilà. Ouais, mais arrête, en plus, leur. Alors, je sais pas, c'est. Alors, leur spawn, ils sont ignobles. Tu respawn. Ah, tiens, y'a quelqu'un dans ton dos. Ah, bah écoute, la bonne humeur. La bonne humeur. J'ai reçu la visite du diable. J'ai envie de mourir. Meurs. Même là, on peut pas mourir. Putain, j'en peux plus. C'est la première game de la journée, je souffre. Ah mais attends, mais le Wa 2000, c'est de la dope ce truc. Ah ouais, non, vas-y. Non, vas-y, c'est... Vas-y. Casse-toi, non, mais quelle idée de merde. Tu m'étonnes que personne ne prend. Ouais, c'est pas passé loin, ta daronne, elle est pas... Enfin, pardon. Ah, tu m'étonnes, Nouveau point stratégique confirmé. Voilà. Allez, on va prendre ça, voilà. Ça ira un peu mieux. Enfin, ça pourra pas être pire, en tout cas. On a déjà touché le fond, là. Rejoignez le point stratégique. Non, mais... Ok. Non mais... Bon, on va la faire. Mais what? J'ai même pas le temps de toucher le sol, je suis mort. Eh les gars! Mais attends, mais vous avez bouffé quoi? Eh mais attends, mais... Ah. Attends. Il est 5h38 du mat. Et les gars, qu'est-ce que vous branlez? Non mais ils ont pas dormi, c'est pas possible. Ils sont pas réveillés, ils sont pas endormis encore. Oh le kill! Incroyable! Incroyable! Wouah le double! Eh, je suis trop fort. Non mais les gars, il y a un moment donné... Ouais, je vais faire la nuque, ouais, je sais, ouais. Bah, je suis à 28 kills, voilà. 28 kills. Allez, 27 kills pour la nuque. Contact. Changement de chargeur. Putain, j'étais à 26 kills de la nuque, les gars! J'ai jamais été aussi près aujourd'hui. Y'en a que je te pompe, toi. Y'en a que je te pompe, là. Ah. On se rattrape. Je pense qu'on va la gagner. Mais fils de... Non mais qu'est-ce que tu fous là, espèce ta mère la pute, putain de fils de pute, t'enculé. Le mec avance un peu, gros bâtard, va. Je vais pas t'insulter dès le matin, mais franchement, tu laisses pas le choix aux gens. Ah, excuse-moi, je... Je sais pas ce qu'il m'a pris, je sais pas... Non, mais... Je sais pas ce qu'il m'a pris. C'est craqué. Attends, je vais essayer de faire un défi avec ça, tiens.
Allô ? T'es derrière moi ? Non mais coquin va. Cela y a 3 kills à faire avec un chargeur. Mais ça bug ce défi de merde. Mais au moins il y en a un qui marche toujours. Le changement d'arme en plein fight, ouais. Incroyable. Ah, tu m'as pris pour un Yukun-kun, toi. Eh, mais toi, t'es vraiment cuit. Ah, oh, je fais pas... Tu mérites même pas mon énervement. Petit enculé de... Merde. Nouveau point stratégique confirmé. Patientez. Ah ouais. Et je suis même pas dernier. Il y a vraiment des mecs qui sont nuls à chier, je te le dis. Ah, vas-y, casse-toi. L'ennemi est dans le périmètre. On est en train de faire une remontada du seigneur. Voilà, 2 kills avec le même chargeur. Point stratégique contesté. 3 kills avec le même chargeur. Ha ha, et ça fait big bang boom. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va compter pour le défi ou pas? I have no idea, my friend. L'ennemi est dans le périmètre. Changement de point stratégique imminent. J'ai failli me brûler les ailes. Ah, j'ai failli me brûler les ailes, mais t'as pas d'ailes? Lui, c'est vraiment un fils de pute. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il. Est-ce, je sais pas s'il y a un. S'il y a un, une autre. Un, je sais pas s'il y a un autre mot pour le décrire. Je suis preneur. Mais franchement, qu'il aille bien se faire foutre. Hein. Je lâche une grenade pas, Lissat. On s'en branle. Non mais franchement, mais quel est le genre de fils de... Putain de merde qui joue comme ça, quoi. Et tu le vois l'autre? L'autre connard avec son snipe derrière, là. J'ai envie d'aller faire le tour et de le prendre par derrière et bien le pomper comme il faut là. Changement de point stratégique imminent. Non mais. Oh là là là. Oh là là, mais. Mais c'est vraiment le pire joueur au monde cet enfoiré. Nouveau point stratégique localisé, sécurisez la zone. Ah! Putain le paparazzi. Oh, les grenades du seigneur. C'est vraiment de la merde cette arme. C'est vraiment de la daube. Hein.
80 boules pour camper, vraiment à vomir ce genre de joueur. Ah, mais il est tellement con, fils de pute, je suis sûr il a payé le double. Il a cru faire une affaire. Ouais, hey, j'ai le nouveau Call of, il sort que en décembre, tiens, 160 balles. Oh, trop bien, je te le paye tout de suite. Tu vois, regarde, il m'en a compté qu'un. En fait, j'ai l'impression qu'il t'en compte qu'un par game. En vrai, t'en fais un et puis t'arrêtes, voilà. C'est vraiment de la daube, hein. Ça bug à plein tube. Alors, attends, parce que là, du coup... Alors, bon, le W2000, non. Voilà, on le valide pas. On le valide pas. W2000 pas. Enfin, ta gueule, c'est quand même... MCPR. Testons le MCPR. Parfait. Skidro, comme ça, on va se faire un petit peu de MCPR. Pour tester. J'ai pas testé encore le MCPR sur MW3. Et j'ai pris le fusil à pompe. Parce qu'il faut pomper un peu dans la vie. Eh ouais. Point stratégique. Allez, let's go. MCPR. Premier kill au MCPR. Bon, juste 5 balles dans le chargeur, il va falloir recharger souvent, quoi. Pas mal le pompe. Bon, il devait être touché, mais c'est normal. Ah, d'accord. Et le gars dans le couloir avec son snipe, il sert à rien, tête de bite. Non, mais oh, vous me forcez à insulter dès le matin. Franchement, les gars, c'est pas sport. Le pompe a l'air incroyable. Nouveau point stratégique confirmé. Le pompe a l'air incroyable. Le flinch c'est pas mal aussi. Mais bon, après j'ai pas mis le truc du flinch, je crois. Putain, il y a toujours un gars dans un coin. Ça leur dure, va. Regarde ça, il est chez lui. Regarde. Ah, je vais à la maison, maman. Ah là, mais tu vas où? Ben à la poubelle. Je suis une ordure. Et merde. Bon, le réveil est un peu compliqué sur le jeu actuellement, mais it's not grave. Oh, shoot. Là, j'ai mal visé. Enfin, j'ai pas visé, mais j'ai mal. Oui, enfin, tu m'as compris. Tu sens qu'il y a un flinch quand même. Hein. Dès que tu te fais toucher l'arme, elle se lève de ouf. Par contre, c'est chelou comment ça joue l'objectif en face. Rejoignez le point stratégique. L'ennemi a envoyé un missile en arrière. Il a tué personne, bolos. Mais attends, mais ils sont 6 en face. Ils sont 6 de Strasbourg, mais... Oh, le monde. Ils étaient tous là.
Parce qu'après, pour le défi, il faut faire des kills au jugé, en fait. C'est pour ça que je vise pas plus que ça. Dommage. Dommage. Je commençais à sentir le truc me pénétrer, là, tu vois. C'est le temps de m'y mettre là, tu vois. Je sens qu'à l'intérieur de moi ça commence à rentrer. Tu les entends, les cigognes? Ah putain, ils étaient trois, ces bâtards. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, là, putain, mais... Tu fais un concours de taille de bite ou quoi, là, oh. Oh là là. Oh, le shoot. Oh, 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 le shoot. Oh, le shoot. Oh, putain. Même sur AliExpress, on les vend pas, ceux-là. Mais il est où, ce con? Ah bah non, il a mis le truc, il prend le truc à sa place. Putain, les gens utilisent ça? Ok. Ma foi. Bah en face, c'est pas des... C'est pas des bêtes de guerre non plus. Hein. Alors, il est où ce con? Ah ok, il venait de respawn. Pas grave, ça pompe, ça pompe. Nouveau point stratégique confirmé. Patientez. Il est compliqué celui-là quand t'es dans cet angle. J'aurais dû aller à droite tout de suite, je savais qu'il y avait un gars à droite. C'était un peu con sur le coup. C'était un peu con. Putain, c'est kiffant le gameplay style pompe, hein. Mine de rien. Putain. Ce serait bien d'avoir une limite sur les explosifs quand même, parce qu'il y a des fois, c'est un peu trop, je trouve. Sécuriser la zone. Drone hostile dans la zone.
Merde. Question en fait, mais est-ce qu'on peut débloquer les camouflages des armes de MW2 sur MW3? Bah, j'imagine. Bah, en tout cas, il y a les défis camouflage MW2 et les défis camouflage MW3, ce qui sont indépendants. Les camouflages ultimes des armes MW2 ou MW3, on peut pas les utiliser sur les autres armes. Mais après, tu vois, là, j'ai mis un camouflage MW3 sur MW2 et... Enfin, bref. Chez moi, quand je me fais para, ça dure une demi-heure. Et moi, quand je pars à les jambes, bah, ça fait rien du tout. Oh la grenade! Oh là! Ah, le pompe, il est trop bon! Hein. Quand tu tires à côté, ça, bon, ça marche moins bien, mais bon, ça c'est un détail. Ah ouais. Allez, un quatrième. Putain, dommage, j'imagine un quatrième quoi, de fil kill cam. GG's. Oh, le mec dernier du groupe. GG's. Allez, d'accord, t'as rien fait toi. Dommage, j'aurais bien aimé la petite kill cam, la petite quad fit quoi. Petite quad fit et kill cam, ça aurait été beau. Ah ouais, putain. Super le tracking de Capi. Alors, Treddy, mais tu parles tout seul.